Bonsoir à tous. Merci de donner la parole au monde vétérinaire, au monde de l'élevage. Alors, en une heure, je vais essayer de vous exposer comment un vétérinaire de campagne peut s'intéresser à cette dimension. Alors, ça commence il y a très longtemps. Je suis né en 1965 à Besançon. Ma maman me disait qu'à 5-6 ans, je disais « je serai vétérinaire pour que les animaux ne soient pas malades ». Donc ça va planter tout de suite le débat depuis tout petit. Je déteste le soin, je déteste la chirurgie, je déteste les animaux malades. Donc tout a été toujours construit dans ma vie pour faire en sorte que les agriculteurs qu'ils ne soient pas malades. Alors évidemment, à l'époque où sévissaient Louis-Claude Vincent, Jeanne Rousseau, Louis-Corentin Kervran, André Voisin et notre confrère Quiquendon, moi je lisais Spirou, Tintin, Astérix et je rêvais de tracteur. Alors, mon enfance a été partagée entre deux mondes. Alors, je suis issu d'une mère alsacienne franco-suisse. Donc, ici, c'est mon école primaire dans un petit village à la frontière suisse. La ferme de mes grands-parents était juste là au-dessus. Et du temps de mon grand-père, les vaches mangeaient de l'herbe, donc broutées, à fourrager en verre, des betteraves. On cultivait de la sérale pour les poules et pour faire le pain, mais pas pour les vaches. Et on avait de la rotation culturelle. Et quand est arrivé donc mon oncle sur l'exploitation, qui avait 4 ans d'écart avec moi, lui, il a triplé le cheptel en quelques années. Et donc, comme nous avons très très peu de surface, il a mis 75 vaches sur 35 hectares. Et donc, les vaches ont été enfermées. Et nous sommes passés de la culture de l'herbe à la culture du maïs. Alors, ça n'a pas été une aventure très heureuse. Alors, elles y sont toujours, hein, aujourd'hui, ces vaches, hein, dans ce régime alimentaire. Et en tant qu'enfant, je me posais vraiment des questions. Comment on pouvait être passé d'un système avec des vaches en excellente santé en quelques années avec des vaches dans un état de santé absolument désastreux? Alors, c'est pas qu'elles produisaient pas de lait, elles produisaient beaucoup de lait, mais par contre, leur état de santé n'était quand même pas terrible. Alors, la deuxième partie de mon enfance s'est passée dans ce petit village, pas très loin de l'Alsace, hein, qui est en Franche-Comté. Ça, c'est la maison de mes parents, donc sous la protection du Seigneur. Et quelques mètres plus loin, donc, on a cette grande fontaine. Et le village s'appelle Fontenoy parce qu'il y a 9 fontaines dans le. Donc ça, c'était mon premier contact avec l'eau. Et puis évidemment, là, on était dans un système comté, jurassien. Donc des vaches broutant de l'herbe, mangeant du foin erguin, un petit peu de céréales, des betteraves aussi. Et avec une excellente santé, une excellente longévité. C'est toujours le cas aujourd'hui, hein, il n'y a pas de souci. Et moi, quand je trayais des vaches, ben finalement, 4 fois par jour, on passait devant cette fontaine pour abreuver les animaux. Voilà, puis je voyais bien que quand j'allais dans le village de mes grands-parents, quand j'allais là, le comportement par rapport à l'eau n'était pas tout à fait le même. Ça, c'était mes questionnements d'enfant. Alors, quelques années plus tard, je me suis décidé à devenir vétérinaire, donc je suis allé dans cette magnifique école vétérinaire de Lyon, qui est la plus vieille école vétérinaire du monde. Et puis, quand on regarde la vieille école, celle-ci, là, que vous voyez en photo, il y avait deux choses qu'on enseignait aux vétos, jusqu'à peu de temps avant que j'arrive à l'école. Moi, je suis arrivé en 84. Donc, les anciens programmes, jusqu'en 80, enseignaient aux vétérinaires la pédologie, la géologie, la botanique, les plantes médicinales, bien sûr, la médecine et la chirurgie, mais pas de cours sur l'eau. Alors, on verra qu'on avait des cours sur la réhydratation et pas sur l'eau. Et quand sont arrivées les espèces de compagnies de sport et de loisirs, moi qui me donnais des boutons, donc il a fallu comprimer des programmes, et donc toutes ces notions de botanique et de pédologie et de sol ont disparu des programmes. Non content de mon enseignement, parce que sorti de l'école vétérinaire de Lyon, ça c'est la nouvelle école en haut, ben j'ai fait des études sur les ruminants, mais aussi les animaux de sport et de loisirs, puisque c'était obligatoire. Les animaux de compagnie, chiens, chats, pour moi ça a été une vraie purge, ça a duré 5 ans. Mais aucun cours sur l'eau et les sols. Alors je me suis dit, comme tu n'en as pas assez, tu vas t'inscrire à l'Institut d'INAPG de Paris pour aller au cours supérieur d'alimentation des animaux domestiques et puis à la bergerie nationale, donc pour aller apprendre d'autres choses, apprendre à nourrir les animaux, puisque je n'avais pas appris à nourrir les animaux. Voilà. Et je n'ai toujours eu aucun cours sur l'eau et aucun cours sur les sols. Donc je dis là, t'es mal barré, mon garçon. Donc, après, j'ai fait comme les compagnons du Tour de France. J'ai fait mon Tour de France. Donc, j'ai commencé à travailler ici en Alsace, dans des systèmes. Alors, nous, on était ici, là, à la frontière suisse, système enfin ex-herbager. Puis là, Fontenoy était par ici. Et puis, donc, je suis allé travailler dans le nord de l'Alsace, là, une jolie clinique équine, pour soigner des bourriques à quatre pattes qui mangeaient de la paille et du blé.
Et puis ça n'allait pas, ils n'étaient pas en trop bonne santé, ils avaient beaucoup de troubles ostéo-articulaires et musculaires. Après, je suis parti ici, dans le pays de mon papa, donc, parce que je dis là, je vais trouver des vaches normandes sous les pommiers. Et puis, il y en avait de moins en moins sous les pommiers, et de plus en plus devant des tas de maïs. Alors là, je voyais bien que ça n'allait pas, que l'état de santé des vaches, ça n'allait pas du tout. Alors je dis, ben, c'est pas grave, je vais descendre là-bas en bas, dans le centre de la France, ça c'est une zone herbagère. Donc j'ai travaillé dans le Limousin, le Charolais. Là, je voyais que les vaches avaient une meilleure santé, les veaux peut-être pas. De gros troubles d'accouchement, donc ça m'occupait fortement la nuit. Et puis, je me suis dit, ben non, on va remonter par les Alpes. Donc j'ai fait un petit séjour ici. C'était pas mal, dans ces systèmes herbagers. Et puis, je suis remonté ici, m'installer à la frontière donc belge et luxembourgeoise, dans cette jolie clinique, où j'ai travaillé pendant 22 ans comme vétérinaire, donc dans des systèmes de polyculture élevage intensif. Alors, je voyais bien que de toute façon, que l'état de santé des animaux, ça n'allait pas. Alors, j'ai rencontré ce monsieur dans les années 94, et ça a été mon premier contact avec la bioélectronique sans le savoir. À savoir que énormément de troubles de santé chez les ruminants venaient donc d'une dysrégulation, on va dire, acido-basique, qui les conduisait à différents troubles de santé. Et donc, ben, on a commencé à travailler, on va dire, le système acido-basique, donc uniquement sous le regard du pH. Et finalement, on avait quand même déjà contrôlé pas mal de désordres de santé des animaux. Et puis, on avait travaillé sur l'oxydoréduction, alors sous un regard absolument paradoxe, hein, sous un regard des antioxydants, les oligoéléments, les vitamines, et quelque part, on avait fait déjà de jolis progrès en termes de maîtrise de la santé, avec finalement moins d'animaux malades et moins de médicaments. Alors rapidement, je me suis dit, puisqu'à la base, je me suis dit, j'avais envie d'être enseignant, je me suis dit, ben, finalement, on développe des techniques de travail, des outils de travail, le développement de la biochimie, d'endocrinologie et de la médecine de troupeau. Et puis tous ces outils, ben, quelque part, on va les enseigner aux vétérinaires, on les fait chez nous au quotidien. On mesure des pH toute la journée, on mesure des glycémies, des tas de choses. Et ben, on va les enseigner aux vétos. Et puis, j'ai une longue période, pendant à peu près 20 ans, où je suis allé travailler dans tous les pays de l'Est, de manière à aider les agriculteurs à la reconstruction des grosses fermes soviétiques, donc dans des unités de 600, 1000, 2000, 5000, 25000, 30000, 50000 vaches. Voilà, donc on les a aidés à reconstruire ces structures. Et donc forcément, dans ces structures, le soin individuel, c'est même pas pensable. Donc l'idée, c'est vraiment de construire les choses, donc pour que les animaux soient pas malades. Et puis, tout ce travail qu'on a fait en France à l'étranger, ben on a commencé à l'enseigner aux vétérinaires, on a commencé à l'enseigner aux agriculteurs, de manière à leur donner d'autres façons de faire dans leur ferme. Alors qu'on ait 15 vaches ou qu'on en ait 50 000, pour moi, c'est strictement la même chose. Alors, mon deuxième contact avec l'eau, ça a été de constater rapidement que la meilleure thérapeutique, c'est pas l'antibiotique, c'est pas l'anti-inflammatoire, c'est une réhydratation bien conduite et efficace. Voilà, donc nous avons travaillé les perfusions en grand volume, nous avons travaillé la fluidothérapie par voie orale. Ça, c'est mon premier appareil que j'ai acheté dans les années, on va dire, 98-99, qui est un appareil qui, à l'époque, servait dans les SMUR, donc les voitures qui allaient ramasser les gens au bord des routes, hein. Donc pour mesurer l'état d'hydratation, mesurer l'état acido-basique du patient, pour essayer que vous surviviez jusqu'au CHU. Alors, on s'est servi de ça pendant des années pour améliorer notre technique de survivance et de soins des animaux. Et puis, après, on va regarder ça tout à l'heure, deux outils qui sont des réfractomètres, qui sont des outils qui permettent de quantifier très, très rapidement et très simplement avec deux gouttes d'urine et de statuer sur l'état d'hydratation des animaux. Puisque ça, si on parle d'eau, on parle essentiellement d'hydratation. Voilà. Alors, en 2009, après 20 ans de clientèle, je me suis dit, ben, on va faire autre chose. Donc j'ai dit, je vais tout vendre, on va tout vendre. Puis on va tout recommencer, et puis tu vas repartir Romanichel. Voilà, je me suis mis sur la route avec une voiture, et puis on a décidé de travailler donc sous une méthodologie des 5M, les matières, les matériels, les milieux, la main-d'œuvre, et puis les méthodes de travail des agriculteurs, et puis surtout d'aider des agriculteurs à remettre de l'équilibre dans leur structure. Partant du principe que si les animaux étaient malades, c'était principalement lié à peut-être des mauvais choix, des mauvaises façons de faire. Peut-être qu'on leur a enseigné de faire comme ça. C'est pas un jugement, mais c'est comme ça. Alors, et ce qu'on a cherché à faire, c'est quoi? C'est, ben, remettre à l'équilibre, quelque part, le jardin des vaches ou des moutons ou des chèvres, de remettre à l'équilibre ce que les animaux mangent et à l'équilibre l'éleveur qui est au milieu de ce système, sachant qu'on a travaillé sur du métabolique, de l'acido-basique, des antioxydants,
de l'endocrinologie. Donc on a fait de la bioélectronique sans le savoir. Avec cette méthode, comme on arrive finalement bien améliorer l'état de santé des animaux, puis l'état financier et psychologique de l'exploitation, eh ben, il faut que vous sachiez que dans chaque département français, vous avez ce qu'on appelle des groupements de défense sanitaire, c'est-à-dire que ce sont des associations d'éleveurs dont la vocation est la maîtrise donc des épidémies, la maîtrise de l'état de santé. C'est le lien direct entre le pouvoir politique, l'État, le ministère de l'Agriculture et les vétérinaires et les agriculteurs. Donc, c'est évident que ça nous a paru évident dès 1997 d'aller contacter ces interlocuteurs quotidiens pour nous, puis de leur dire, finalement, la santé, c'est autre chose que de s'occuper des épidémies. Les microbes, on s'en tape le coquillard, on n'a rien à foutre de ça. Ce qui nous importe, c'est de construire les choses pour que les animaux ne soient pas malades. Et il faut reconnaître que le GDS, dont son valeur représentant est ici, là, c'est lui qui m'a suivi il y a bien longtemps, a dit, ça, c'est pas mal, on va construire un concept global de prévention. C'est à destination des éleveurs, de ruminants, je précise, c'est à destination des techniciens, des agronomes, et c'est à destination des vétérinaires qui travaillent dans les exploitations. Dès 2011, je me suis dit, il manque quand même un morceau. Le morceau qui manque, c'est toujours celui-là. Parce que celui-là, le sol, on ne nous l'a jamais appris. Alors, il y a bien des livres, il n'y a pas de souci, mais pas de l'enseignement fondamental là-dessus, qui nous explique, si on fait des bêtises ou on fait des mauvais choix stratégiques sur le sol, c'est quoi la répercussion au bout ? Donc, il a fallu donc, se former et se faire accompagner là-dessus. Et donc, on a intégré, quelque part, l'idée de son complexe général de prévention, c'est de remettre à l'équilibre les sols, de remettre à l'équilibre les plantes qui vont nourrir les vaches, de remettre à l'équilibre les ruminants, de manière à ce que l'éleveur qui est autour aille plutôt mieux dans son système, sachant que nous, on a quand même toujours une arrière-pensée, c'est que ces animaux ou les issues de ces animaux, ils vont arriver quelque part dans l'assiette du consommateur. Si ce système est à l'équilibre, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. On va faire de l'agro-santé au sens de donner de la santé via les produits végétaux ou animaux que l'on produit. Et surtout, ce qu'il a fallu qu'on développe ensemble avec les agriculteurs et puis les GDS et les vétos, c'est plutôt une méthode de vision dynamique des élevages. C'est-à-dire, je fais bouger quelque chose dans le sol, ça va être quoi la répercussion au bout ? Ou si je bouge ici, ça va être quoi la répercussion ici et ici ? C'est-à-dire qu'il est impossible aujourd'hui pour nous d'entreprendre donc la mise en santé d'une exploitation sans avoir la vision de ces quatre milieux. Alors, par rapport à l'eau, moi j'ai eu une rencontre donc très heureuse. C'était donc en Suisse, à côté de Winterthur en 2014. Je suis rentré dans une exploitation pour faire un diagnostic d'exploitation. Et puis, étant nutritionniste de métier, j'avais dit à l'exploitant, il y a un truc qui me choque. Je n'ai jamais vu de ma vie, pourtant je fais des rations, je nourris des animaux, des ruminants tous les jours, je n'ai jamais vu des animaux manger aussi peu, être aussi bien hydratés, et produire autant de lait, et aussi longtemps. Il y a un truc que je ne comprends pas. Alors il m'a rigolé au nez, puis il m'a dit, venez avec moi, je vais vous montrer. On est passé de l'autre côté de l'écurie, puis il me dit, c'est ça là-haut. Il dit, c'est quoi ce truc-là ? C'est un dynamiseur d'eau. Waouh ! C'est quoi ce machin ? Alors, il m'a expliqué, c'est un système grand air, c'est autrichien, c'est ceci, cela. Je ne connais pas. Alors, il me dit, il faudra que vous lisiez ces quatre livres. Alors, comme je suis quelqu'un qui aime bien lire, je lui dis, hop, commande les livres. Et puis, j'ai lu ces quatre livres. Et alors, ça m'a travaillé la tête. Tout l'été 2014. Alors, les livres appelant les autres livres, j'ai fait une deuxième commande, milieu juillet. Et puis, je me dis, là, il faut lire tout ça. Bon, on va lire tout ça, il n'y a pas de souci. La tête était encore plus à l'envers après toutes ces lectures. Et puis, finalement, j'ai trouvé ce livre d'un confrère, qui Candon, qui avait écrit trois livres dans les années 70, 12 balles pour un veto. Bon, ça vous positionne tout de suite le sujet. Alors, en ayant lu tout ça, je me suis dit, tiens, la bioélectronique, qu'est-ce que c'est que ce BINS ? Alors, j'ai lu quelques livres, je me suis dit, tiens, ça a l'air intéressant, mais il n'y a que des données humaines. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça ? Alors, je suis allé en stage avec mon associé, qui est vétérinaire et agronome aussi. On est allé chez Laurence Gallet, donc à Chalon, et puis elle nous a enseigné les bases de la bioélectronique, la lecture dynamique des bilans humains, elle nous a donné de la bibliographie parce qu'on n'en avait pas fait assez. Elle nous a dit, il y a des gens qui travaillent sur la bioélectronique des sols, puisque ça vous passionne.
C'est comme ça qu'elle nous a donné l'adresse d'Olivier Husson et Laurent Baron. Après, elle nous a dit, il faut vous lire absolument les travaux de Yann Olivo et puis de Marc-Henri. Ben, hop, en avant. Donc, elle a dit, après, il y a des travaux sur le lait. Tiens, ils font des trucs en Suisse. Pourtant, moi, je vais en Suisse travailler tous les mois depuis des années. Je n'en avais pas entendu parler. Et puis, j'ai dit, alors là, il va manquer un puzzle. Hein, parce que pour sur les animaux, nada, rien. Tout reste à faire. Alors, on a dit avec Stéphane, pas un problème. On va acheter des appareils. On en a acheté 3. On a acheté pour 10 000 euros d'appareils. Et puis, j'ai dit, ben, on y va. On verra bien. Voilà. Alors, comme on est quand même des lecteurs, on s'est dit, on va encore faire un peu de lecture. Parce que peut-être que, probablement que c'est là-dedans qu'on va peut-être trouver des références pour nos animaux. Puis finalement, je me dis, tiens, c'est bizarre, parce que si on regarde bien, les agrobiologistes Lemaire Boucher avaient beaucoup travaillé dans les années 20 jusqu'aux années 80. Il y avait tous les livres d'André Voisin dans les années 60 sur la productivité de l'herbe. Il avait écrit sur l'herbe cancer, la tétanie d'herbage. Le professeur Delbet dans les années 40 sur l'agriculture et la santé. Des gens qui se posaient des questions déjà à l'époque. J'ai des actions de fertilisation, j'ai des actions d'amendement, j'ai des actions de travail des sols, ça va déstructurer les fourrages, ça va rendre malade les animaux, ça va rendre malade les hommes. Je dis, tiens, c'est bizarre. Il y a 60 ans, il y a déjà des gens qui ont écrit, mais tout ça s'était mis à la cave au grenier, et nous, on n'en a jamais entendu parler à l'école. Bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Alors, nous sommes, comme nous travaillons beaucoup en Suisse, nous sommes allés voir nos potes les Suisses, qui nous ont formés donc sur leur approche sur les sols. Puis on s'est dit, tiens, ça c'est quand même déjà pas mal. Voilà, donc continuons notre chemin. Donc en 2015, on s'est dit, bon, maintenant, on commence à avoir quand même pas mal d'outils entre les mains. Et puis on s'est dit, ben, la méthode 5MVET, il faut qu'on la fasse évoluer. Alors, il faut qu'on prenne en compte les sols des plantes et les fourrages, des animaux, les humains qui sont derrière. Il faut... Ben, on avait déjà cette habitude de beaucoup interroger les agriculteurs. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu le fais? En quoi tu crois? C'est quoi tes croyances? C'est quoi? C'est mon grand-père? C'est mon arrière-grand-père? C'est celui? C'est mon tonton? Voilà, ils font ça pour différentes raisons. C'est ce qu'on m'a appris. Après, toutes les méthodes d'observation. On prend des bêches pour regarder dessous. On fait des observations du dessus, les plantes bio-indicatrices. On regarde les animaux qui nous disent ce qui se passe. Mais pour nous, ce n'est pas suffisant. Moi, ce qui m'a toujours révulsé dans mon métier, c'est des gens qui parlent d'acidose, mais ils ne mesurent pas un pH. Des gens qui parlent d'alcalose, ils ne mesurent pas un pH. Des gens qui parlent d'oxydation, ils ne mesurent rien du tout. C'est tout comme ça. Donc je dis, ça, c'est pas possible. Ça n'existe pas. On est au XXe siècle, donc il y a des outils. Donc ça fait à peu près 30 ans qu'on court le monde. On lit, on va rencontrer des gens. Alors le problème, c'est que souvent, tout est cloisonné. Il y a le spécialiste du sol, il y a le spécialiste du raigras, il y a le spécialiste de la luzerne, il y a le spécialiste des adibos. Mais les gens ne se parlent pas entre eux. Donc, si vous devez faire un lien dans l'exploitation de tout ça, ça va être vite compliqué. Voilà, puis on allait chercher des outils un peu partout. Et puis on s'est dit, ben, nous, notre objectif, c'est, j'interroge, qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous le faites? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait travailler un peu sa cervelle. Je dis, oh, ça doit dire ça, mais je mesure, comme ça, tout le monde va être d'accord. Parce qu'un éleveur, vous avez beau lui dire, ben, le sol, il est compacté. Ah non, 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 il n'est pas compacté. Tu mesures avec un compactimètre, ah, on est d'accord. Hein, à peu près comme ça. Donc, je dis, un outil, c'est pour se mettre d'accord avec l'éleveur, parce que le but, c'est quand même de le faire bouger. C'est pas qu'il reste statique. Hein. Voilà, donc on a développé des outils, et donc le bioélectrodimètre, finalement, c'est quelque chose qui nous est apparu comme étant un outil nous permettant de regarder finalement tous ces milieux de façon assez linéaire, et puis on peut même aller jusqu'à mesurer l'agriculteur au bout pour s'assurer qu'ils sont bien en bonne santé. Et puis, et on le fait. On le fait. Je vous promets qu'on le fait. Alors, et puis après, nous, on a peut-être la rigueur scientifique d'avoir fait des études supérieures, ce n'est encore pas suffisant. Donc, les échantillons de sol, de matière fécale, ça va au laboratoire pour avoir des analyses de précision. Les analyses de fourrage, on analyse les fourrages. On fait des bilans biochimiques sanguins et urinaires sur les animaux pour être bien sûr que tout ça, ça va bien tout dans le même sens. Et parce qu'on fait des analyses de laboratoire, ça nous permet de valider les outils qu'on utilise sur le terrain, valider les observations et valider les interrogations. Voilà. Et puis donc forcément au bout, ben, nous on est les médecins, prescription, recommandation, conduite à tenir, et c'est là que ça se corse, parce que l'éleveur, il te dit, ça je fais ça demain. L'autre, il te dit, je le fais dans un mois, l'autre, il te dit, je le ferai dans un an, puis l'autre, il te dit, je le ferai jamais. Alors je dis, ce n'est pas grave, nous avons fait un très beau diagnostic, t'as le cul dans les ronces, reste-y. Alors,
Donc, on a fait évoluer aussi la méthode 5 émettre en se disant, finalement, et là, on va y venir à l'eau, premier pilier de la santé, hydratation. Alors, il faut de l'eau, on est bien d'accord, mais avoir de l'eau, c'est une chose, être hydraté, en est une autre. Donc, on discutera de ça. Nous, le juge de paix, c'est hydraté, pas hydraté. Alors, on pourra discuter sur la machine, sur ci, sur ça. On a mis l'eau comme ça, c'est hydraté ou ça n'y est pas. Nous, il n'y a que ça qui nous intéresse, c'est le résultat. Alors, nutrition, bien sûr qu'on a beaucoup travaillé dessus, les équilibres nutritionnels, énergie protéique. Ce qui nous intéresse aussi, c'est l'intégrité physique au cours du temps, c'est-à-dire que les vaches restent des top biches, le cou bien droit, les pieds bien levés, la queue bien portée, le dos bien droit. On ne veut pas des vaches déstructurées au bout de lactation. Donc ça, c'est une notion acido-basique, c'est une notion essentiellement minérale pour nous. Ensuite, on veut une qualité environnementale, c'est pour les animaux et pour les humains. Donc, ne pas avoir trop d'émanation, on va dire, d'azote oxydé, de CH4, de CO2, bien que ces deux éléments, ils repartent dans la nature pour faire de la photosynthèse, donc il n'y a pas de problème particulier par rapport à ça, mais c'est déjà que ce soit respirable pour les animaux. Puis après, il y a une notion de bien-être qui n'est pas une notion de bien-être au sens de la communauté européenne, ce n'est pas des mètres carrés par vache et par jour, c'est une notion d'équilibre hormonal et d'oxydoréduction sur le plan des étages cérébraux, sur le plan des étages thymus thyroïde, sur le plan cardio-respiratoire, sur le plan surrénalien. Le reste, on s'en tape. Voilà. Donc, quand on va en ferme, nous, de toute façon, quand on fait une investigation en ferme, ça prend une journée, deux jours, trois jours, ça dépend de la taille de la ferme, on va toujours passer par ça. Hydratation. Oui, non, pas hydraté, salut mon pote. Voilà le plan d'action sur l'hydratation. Tu me rappelles quand c'est fait. Et après, on passera à la deuxième case. Voilà. Donc, on commence toujours par là. Voilà. Et forcément, en s'intéressant à l'eau, j'ai rencontré Gilles, qui était donc le créateur du groupe Nature Éthique. Lui, c'est un spécialiste des sols, un spécialiste de l'eau. Bon, c'est lui que j'ai rencontré sur mon chemin. Et puis voilà, on s'est paxé. Alors, en 2016, donc on s'est dit, finalement, l'eau, oui, c'est vachement important, mais ça, on en a toujours eu conscience. Et puis, donc, on a lancé un système parmi tant d'autres. Donc, pour s'occuper de l'eau, avec toujours une vision, c'est la mesure, la mesure, la mesure, la mesure, la mesure, la mesure, et encore la mesure. Voilà, ça, c'est vraiment notre cheval de bataille. Que ce soit des moutons, que ce soit des vaches, que ce soit des chèvres, que ce soit des troupeaux de 15 bêtes ou des troupeaux de 50 000, on s'en fiche. Et puis, de travailler aussi sur des applications végétales pour stimuler la croissance donc des végétaux. Puisque, quelque part, nous, on s'occupe du jardin, il faut faire à manger aux animaux. Voilà, alors aujourd'hui, nous, 5e bête, on a plutôt un statut de formation, d'audit et de suivi, un statut d'école pour les vétérinaires et puis les techniciens, les ingénieurs. On a un département CIMAO qui crée des matériels de diagnostic pour le futur, un département flotte et puis nature éthique. Donc, et l'incubateur d'idées, sachant que nous, ce que nous avons envie de faire avec les vétérinaires, les techniciens, les ingénieurs et les GDS, et puis tous les autres qui sont dans la même mouvance, recréer une agriculture du vivant, c'est-à-dire quelque chose de dynamique et certainement pas quelque chose de statique. Donc forcément ça, comme on a des bons clients GDS, on leur a vendu. Puis ils ont dit « Banco, on veut bien ». Voilà, avec les vétérinaires, les GDS, dans la même mouvance, le même idéal, le même objectif, c'est changer l'agriculture quelque part en France, mais pas qu'en France, on le fait ailleurs. Alors aujourd'hui, nous, notre métier, c'est valoriser les ressources naturelles, que l'agriculteur ne paye pas, pas encore. Donc c'est valoriser l'eau, donc c'est gérer le trop au printemps et puis le pas assez en été, sachant que pour nous, l'eau est totalement, pour les animaux, les ruminants, elle doit être regardée sous l'œil aussi de ces trois ions, puisque sans ces trois ions, le voyage de l'eau, il est strictement impossible dans les animaux. Alors, ensuite, c'est valoriser des ressources naturelles, donc l'azote de l'air du sol, l'oxygène, le CO2, ça c'est pour faire à manger, et puis bien sûr, ça ne marche pas s'il n'y a pas notre ami soleil. Et forcément, on se rend compte tout de suite que ces deux paramètres, ils deviennent pour nous évidents d'être mesurés finalement tout au long de notre chaîne de travail. Notre chaîne de travail, c'est quoi dans une ferme? C'est d'aller regarder ce qui se passe dans le jardin. Alors ça, on n'invente rien. Nous, notre maître à penser, c'est Olivier Husson. Il nous a tout expliqué ce qu'il fallait faire. Donc nous, on n'invente rien. Il dit, tu mesures comme ça avec tel appareil, on mesure comme ça avec tel appareil. Tu dois trouver ça, tu dois trouver ça. C'est pas comme ça, ça veut dire ça. Donc on suit ses instructions à la lettre. La vocation, quelque part, du jardin des vaches, c'est, il n'y a qu'une chose qui nous intéresse, quelque part, pour nous. C'est ce fameux proton, cet électron. Quelque part, après, c'est de construire des chaînes carbonées, des chaînes azotées
qui pour nous ne sont que le support de transporter quoi ? L'hydrogène et donc l'électron. Sachant que nos vaches, ce sont des moteurs à hydrogène, et par définition, un moteur hydrogène, ce n'est pas polluant. Donc, on demande au végétal, lui, de faire quoi ? De recondenser de l'eau dans ses parois, et pour nous, cette eau-là, elle est fondamentale, puisque c'est une eau d'une excellente qualité pour les animaux. Je pense qu'aucune machine ne fera aussi bien. Vous pouvez toujours essayer, mais je pense que vous ne ferez pas aussi bien. Alors, après, le végétal, il condense des chaînes carbonées, et ce qui nous intéresse pour nous, c'est les fibres, les parois, le sucre, et quelque part, on a deux ingrédients, amidon et huile, qu'on ne veut pas. Donc, pour nous, les ruminants sont des mangeurs de fibres, sel, eau. Ils mangent des feuilles, des tiges, de l'eau, du sel, et normalement, on leur fait manger de l'amidon et des huiles par défaut, mais ils ne sont pas faits pour ça. Ça, c'est pour les poules et les cochons. Mais les ruminants ne sont pas des poules et des cochons. Et bien sûr qu'ils valorisent des chaînes de protéines, puisqu'ils en ont besoin pour faire du lait, pour faire du petit veau, et puis pour faire de la viande. Alors, la seule chose qui intéresse la vache dans son système digestif, c'est de récupérer quoi ? L'hydrogène et l'électron. Alors, en échange, bien évidemment, elle rejette un peu de carbone, bien sûr qu'elle rejette un petit peu de CH4, et puis on a une super idée depuis quelques années, c'est de faire du méthane et puis de faire des moteurs électriques derrière pour faire l'électricité, mais c'est une super idée. Comme ça, on vole encore un peu plus d'énergie au sol, mais bon, ça, c'est les hommes sont très intelligents. Et puis, elle rejette du CO2, mais ça, c'est inéluctable. Nous aussi, on en rejette. D'ailleurs, nous aussi, on en pète un peu. Et puis, bien sûr, que la vache, elle va rejeter de l'azote sous forme d'urée urinaire et sous forme d'ammoniac gazeux. Elle rote, elle pète, bien sûr. Alors, elle perd un peu d'énergie quand elle rote ça et ça. Mais ce n'est pas très grave, parce que c'est normalement retour à l'herbe. Et l'herbe va reconstruire une plante pour redonner à manger. Donc, ça, c'est un système qui est extrêmement vertueux. Et la vache, elle va faire quoi ? Elle va récupérer ça et ça. Il n'y a que ça qui l'intéresse. Et puis, elle va rejeter du CO2. Elle va stocker, refabriquer, restocker de l'eau. Donc ça, le critère d'hydratation pour nous, c'est fondamental à surveiller. Et puis elle va stocker, comme moi, un petit peu de graisse avant l'hiver. Alors elle a besoin de sucre, nous pas. Et puis un petit peu de tissu. Et puis bien sûr qu'elle va stocker un petit peu d'azote dans sa viande. Et puis bien sûr qu'elle va en excréter dans son lait. Mais normalement, une vache qui est au pré, comme celle-ci, c'est un système qui est hyper vertueux. Les sols sont couverts. Il nous l'a dit tout à l'heure, Olivier. Un sol ne doit pas être couvert. Faire du maïs avec un champ qui est terre à nu tout l'hiver, ce n'est pas très vertueux. Avoir une prairie, c'est très vertueux, le sol est couvert. Si la vache est au pré, c'est très vertueux, puisque tout ce qu'elle rejette sera utilisé à 90%. Voilà. Si vous l'enfermez dans un bâtiment, il y aura des pertes de charge. Alors, finalement, nous, on s'est inspiré de la méthode de Laurence Gallet, puis de se dire, OK, il y a des compartiments, mais ce qui nous importe, c'est la vue dynamique. Qu'est-ce qui va se passer dans l'animal ? C'est quoi la réaction en chaîne ? Alors, bien sûr que ça dépasse. Il faut de l'eau, de la bonne eau. Alors, si on s'intéresse au livre, on nous dit un pH 6,5, 24-28, 80 millivolts, 480 siemens par centimètre maximum, rho plus de 6000, OK, d'accord. L'herbe, de bonne qualité pour nous, pour les animaux, c'est 6,4-6,6, un RH2 à 10 à 20, c'est un redox. Alors, j'aurais pas dû marquer ça comme ça, moi. Si, on peut marquer comme ça. 200 millivolts, une conductivité comme ça, une résistivité très élevée. Si je la mets en silo, ça commence déjà mal. Parce que le silo de l'herbe qui était de bonne qualité au champ, vous l'acidifiez pour la conserver. Le but, c'est quand même pas de donner un ensilage pourri tout l'hiver. Donc, il faut l'acidifier pour la conserver, puisque vous laissez de l'eau dedans. Donc, il va falloir déjà que la vache, elle règle ça. Et puis, bien sûr, que donc c'est un milieu, s'il est bien fait, qui est très réduit, très réducteur. Le redox, il aura tendance souvent à monter. Et puis, comme il y a une petite déshydratation, la conductivité, elle va changer. Alors, nous, ce qui nous intéresse surtout, je rentre de l'eau, je rentre des fourrages, ou broutés, ou ensilés, qu'est-ce qui se passe dans le tube digestif ? Alors, normalement, on nous dit, nous, on travaille avec un centre de recherche qui est à Toulouse, à cheval sur l'école vétérinaire et puis sur l'école d'agro. Alors, ils font de la bioélectronique tous les jours pour comprendre l'état de fonctionnement du système digestif, mais à l'école d'ingénieurs d'agro, on ne leur parle pas de bioélectronique. Et à l'école vétérinaire de Toulouse, on ne leur parle pas de bioélectronique. C'est comme ça, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Bon, alors, voilà, le pH du rumen doit être à 6,5. Tiens, c'est bizarre, c'est comme la plante, c'est comme l'eau. Tiens, c'est rigolo, cette coïncidence. C'est un milieu très réducteur.
on sait que ça doit être à moins de 200 millivolts, puisque c'est là que ça fonctionne le mieux, et c'est là que la libération d'hydrogène et d'électrons se fait le mieux. Il faut que ce soit hydraté, parce que le rumen, c'est quelque chose qui contient 150 à 200 litres d'eau, et c'est un vrai filtre. C'est un filtre à toxines, c'est un filtre à champignons, c'est un filtre à plein de choses, ce qui permet à la vache de manger des choses pas forcément très catholiques pour l'humain. C'est-à-dire que si vous mangez parfois les fourrages qu'elle, elle mange, elle vit, elle fait du lait, elle fait un petit veau, elle fait de la viande, et vous, si vous broutez ce qu'elle mange, vous mourrez. Donc c'est quand même intéressant d'avoir ce filtre ruminal pour finalement convertir des végétaux qui pourraient être dangereux pour nous en une matière nutritive qui va te débarrasser de ces éléments, dans une certaine limite qu'on verra tout à l'heure. Et puis nous, ce qui nous importe surtout, c'est ce qui se passe à l'échappement. Ah oui, on commence souvent par l'échappement, puis si l'échappement est mal réglé, si ça pétarade et ça fume, à ce moment-là, on va régler le moteur. C'est un moteur à hydrogène, hein, je le précise. Alors, les urines des vaches, c'est une particularité qui est très différente de l'homme. Donc déjà, on ne va pas trouver ces références dans les livres de bioélectronique. C'est que les ruminants, c'est un pH qui est urinaire qui est plutôt assez basique. 7,8 et 8,3. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils font des cancers, ils vont plutôt bien. Voilà. Et puis le RH2, il est entre 22 et 25. C'est un redox assez négatif. Et une conductivité qui est à 25 à 30. Voilà. Puis ça doit être comme ça. Et puis, il y a le caca. C'est aussi un système 6,5, 6,8. C'est un tout petit peu plus haut que le rumen. C'est très réducteur. Aussi parce qu'il faut récupérer un certain nombre de choses. Et puis, ce qui vous intéresse, vous, quelque part, c'est ce qui sort ici au pi. Ou c'est le petit veau, c'est ce qui l'intéresse. Un lait idéal, 6,4, 6,5. Tiens, c'est bizarre, c'est comme l'herbe. Et le redox, les Suisses vous diront, c'est entre 200 et 300 millivolts. Tiens, c'est bizarre, c'est comme l'herbe. Bah, pourquoi on ne bouffe pas l'herbe? Sur le plan bioélectronique, c'est la même chose. Si ça nous nourrit, pourquoi je ne mange pas l'herbe, puisque c'est les mêmes caractéristiques bioélectroniques? Je répète que si elle a des toxines, la vache va les filtrer, vous pas. Votre foie et votre rein vont en prendre plein la tronche. Et puis ensuite, bien sûr, qu'il y a un système sanguin qui a la vocation d'absorber tout ce qui est digéré dans la masse intestinale et de distribuer un peu au rein, un petit peu à la mamelle, les muscles, les poumons. Et puis donc là, on a des caractéristiques qui sont assez voisines de ce qu'on pourrait avoir chez les humains. C'est peut-être la seule caractéristique commune entre tous les mammifères. Le reste, c'est un peu spécifique des ruminants. Alors, honnêtement, vous pouvez me croire, lorsqu'on a réglé le jardin, qu'on a réglé l'eau, qu'on a réglé le moteur, qu'on a réglé l'échappement, ça fait du lait, comme vous ne pouvez pas l'imaginer. On a des vaches en Suisse qui produisent presque 100 litres de lait par jour. Si vous ne croyez pas, je vous monte dans la voiture et je vous emmène. Des troupeaux à 45-48 litres de moyenne tous les jours, toute l'année, d'accord ? Et ça dure 5-6 ans. Des vaches top biches jusqu'au bout. Et nous, en France, on a des vaches à 7000 litres, 23 litres par jour, qui sont cagneuses, boiteuses et qui n'arrivent pas à mettre un pied devant l'autre. Donc, ce n'est pas une question de productivité, c'est une question de comment est réglé le bordel. Alors, finalement, avec les GDS, on s'est dit, il faut qu'on vende ça au ministère de l'Agriculture. Alors, finalement, nous sommes en négociation pour leur dire, ben voilà, les écoles vétérinaires, on apprend la santé animale, la formation, parfait. Après, on peut apprendre un peu l'hydratation parentérale, la biochimie, les marqueurs du stress, l'indicateur de santé. Ça ne suffit pas à mettre la balance à l'équilibre. Donc, il faut qu'on travaille sur les sols, l'eau, les amendements, les apports organiques, et travailler sur l'eau, les rations, les fourrages. Mais il faut que les agros et les vétos se causent. Ils ne se causent pas. Alors, c'est compliqué. Il y en a un qui met la balance d'un côté, puis l'autre qui essaie de la rétablir de l'autre. Donc, on joue à la balance, comme les gamins, toute la journée. Alors on s'est dit, ben non, on va se mettre dans une dynamique où tout le monde se cause, pour qu'au moins l'éleveur il aille au moins dans la bonne direction. Voilà. Donc la bioélectronique, finalement, elle est assez intéressante parce qu'elle nous permet de mettre tous ces milieux à l'équilibre et de mettre tout le monde d'accord. Olivier Huchon nous dit, ben, expertise de l'ingénieur agro sur les sols et les plantes, parfait. Expertise sur les animaux, on tombe d'accord, ça doit être à peu près dans la même ligne. Expertise sur l'eau, il y a Marc-Henri, il nous a expliqué ce qu'il faut faire, comment ça doit être fait. Si on a assez de scientifiques et assez de matériel pour être sûr de faire les choses à peu près correctement. Et puis, quelque part, ce n'est pas pour rigoler, ça. Ça, c'est pour produire beaucoup, plus qu'aujourd'hui, plus longtemps, avec une meilleure santé,
avec moins de phyto, moins d'antibiotiques, moins d'anti-inflammatoires, moins de médicaments. Donc ça, c'est lisible pour le consommateur, c'est productiviste, mais dans le bon sens du terme. C'est une démarche éco-phyto, éco-antibio, et c'est une démarche d'agro-santé. Voilà. Donc on voit bien que l'eau, elle est partout. Voilà. Alors, le ministère, il nous dit, ouais, c'est pas mal votre truc là. Mais ça existe dans la vie vraie, ça, ou c'est dans les rêves? Ah oui, ben oui, parce qu'il y a tellement de gens qui disent qu'ils font des choses qu'ils ne font pas, ils ne mesurent rien. Ben, je dis, mais non, non, ça existe, pas de souci. Vous voulez voir quoi? Des vaches, des moutons, des chèvres, lait, viande, au niveau de la mer, en altitude, milieu séchant, milieu humide. Vous voulez où vous voulez aller? Alors finalement, on a mis en place il y a 2 ans, donc 6 élevages, viande et lait, donc en expérimentation, puisqu'ils veulent des preuves. Alors on va leur donner des preuves. Hein. On le fait depuis 20 ans, mais on va leur donner des preuves, il n'y a pas de souci. Donc ça a été fait en Midi-Pyrénées. Ils ont dégagé une petite coquette somme de 500 000 euros pour faire ça sur 3 ans. Et puis finalement, au bout de 2 ans, c'est déjà moins 50 à moins 75% d'antibiotiques, alors qu'on nous demande de faire moins 25. Et puis c'est une réduction de la mortalité, plus de veaux à vendre à la fin de l'année, puis plus de lait dans le temps qu'à la fin de l'année. Donc, et c'est une vision dynamique qui associe des techniciens, des ingénieurs et des vétos et des administratifs. Voilà. Alors, je vais vous donner 2 exemples. Alors, j'ai pris volontairement 2 exemples un peu opposés, de manière à vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire à la bioélectronique, sachant qu'il y a tous les intermédiaires possibles. Mais on ne va pas y passer 8 jours. Donc, un système intensif, type maïs, et un système herbager, type comté. Voilà. Notre outil de travail, c'est lui. Voilà. Donc, qu'on mesure pH redox, conductivité, et il y a des choses qui sont calculées. Voilà. Quand on se met en chantier, dans une exploitation, ça ressemble à peu près à ça. Parce que nous, l'objectif, ce n'est pas la mesure de laboratoire. Nous, on déambule sur 13 pays aujourd'hui. Donc, les appareils sont embarqués dans la voiture. On déballe tous les appareils, tout ce qu'on a besoin pour mesurer ce qu'on a mesuré. On s'installe, on calibre et on fait les choses. Alors, ça n'a certainement pas la précision de ce que peut faire donc Olivier Husson dans des cadres très stricts, on va dire, de choses qui doivent être répétables, de choses qui doivent être publiables. Nous, notre objectif, c'est mesurer, comprendre, corriger, voir les effets et espérer que ce sera mieux après qu'avant. Voilà, donc voilà comment on s'installe. On essaye d'être un peu méthodique. On prélève les solides, donc les fourrages. Si c'est des fourrages qui sont séchés, Olivier a dit on ne peut pas mesurer un sol sec. Donc nous, on ne sait pas mesurer un foin sec. Il faut réhydrater, donc souvent une méthode qui est toujours la même, une part pour 5 parts. Si c'est des crottes, c'est trop sec, il faut les remouiller. Alors on travaille avec de l'eau distillée, hein, et on laisse décanter. Et puis c'est pour ça que comme il faut décanter 1 heure, eh ben on fait ça en premier. Ensuite, on prélève les jus de rumen, puisque nous, ce qui nous importe, c'est comment fonctionne la chaudière, hein, le moteur. Le délai de mesure, c'est impossible de faire ça au labo. C'est prélèvement, observation, mesure. Intransportable. Ça doit être fait immédiatement. Ensuite, on prélève le sang. Pareil, intransportable. C'est prélèvement, mesure, immédiat. Voilà, puis on mesure d'autres choses. Les urines, ça, c'est très stable. Ça, on peut mesurer ça quelques heures après, 8 jours après, si vous en avez envie. Le pipi, ça bouge pas. Prélever les cacas. Donc les cacas, donc on tamise et on a quelques heures pour mesurer. Bien sûr qu'on prélève l'eau. Alors nous, ça c'est un peu fastidieux puisqu'on prélève tous les abreuvoirs d'exploitation. Alors ça peut être 3, mais ça peut être 50. Voilà, donc on mesure tous les points d'eau. Et on prélève le lait de mélange, ça c'est plus facile. On va à la bonde du tank et on a la vision du troupeau. Alors vous voyez que nous, on est très pipi caca, hein, mais c'est comme ça. Depuis tout petit, je suis resté très pipi, très caca. Voilà, alors les fourrages, voilà, donc auprès de nos fourrages. Pour prélever le jus de rumen, on est allé chercher des outils dans une station de recherche donc en Autriche. Voilà, alors c'est pas du tout douloureux, hein. On fait avaler ça, mais vous savez, vous avez déjà eu une endoscopie? C'est proportionnellement à votre poids, c'est 4 fois plus gros. Donc n'ayez pas peur, ça fait pas mal à la vache. Voilà, puis alors on prélève le jus de rumen, voilà, on est installé devant les vaches, et puis on va faire notre observation et on va faire notre mesure. Voilà, le sang, le pipi, le lait. Et puis, en fait, en général, on a beaucoup de choses. On peut mesurer des matières sèches, on a des fours. Alors ça sent le pain aussi, hein, le pain de foin, ou le pain d'ensilage d'herbe, ça sent plutôt moins bon. Et puis ici, on tamise pour voir la granulométrie. Et puis ensuite, on envoie ça à l'analyse dans un laboratoire en Normandie. Et puis, ça nous donne la vision terminale. Est-ce que la bioélectronique dit les mêmes choses? Parce que finalement, sur une analyse totale de ration, vous aurez les informations, énergie, protéines, les sucres, l'amidon, tous les minéraux, tous les oligos.
Alors après, ça va être vite vu. La bulle électronique, elle a dit juste ou elle a dit faux. Alors vous verrez qu'elle dit assez juste. Alors, je vais vous montrer deux exemples. Cette ferme, c'est une ferme de Mayenne. Alors, historiquement, c'était une ferme herbagère, mais le vache ne pâture plus. L'herbe est fauchée pour être vendue pour les chevaux. Alors, c'est un système maïs. C'est un système avec des vaches qui sont traites dans un robot, mais il n'y a pas de problème. Les vaches, elles aiment bien les robots, il n'y a pas de souci. Ça, c'est l'éleveur. Voilà, c'est l'eau qui est distribuée aux animaux. Et puis, le système, parce qu'on s'intéresse un petit peu agronomiquement comment ça fonctionne. Donc, le caca, ce sera une phase liquide qui est du lithium. Voilà, qui est pour nous est souvent un petit problème sur l'état de fonctionnement des sols. Alors après, on interroge l'éleveur, que fais-tu de tes vaches? Alors, dans la vie d'une vache, je ne sais pas si vous apprendrez quelque chose, mais si vous voulez qu'elle fasse du lait, il faut qu'elle fasse un veau. Ce n'est pas possible de faire du lait si elle n'accouche pas régulièrement. Voilà, on aimerait bien faire des lactations de 9 ans sans accouchement, mais ça ne marche pas. On ne sait pas faire. Alors, il y a une période de l'année où elles sont 2 mois taries, au repos. Alors là, on les met confortablement sur des litières paillées. C'est très moelleux. C'est mieux que les matelas d'Ibis. Hein. Et puis, bon, par contre, ici, elles ont juste un tout petit point d'eau, ici. Donc déjà, prime abord, on voit que peut-être pour l'hydratation, ça va être compliqué. Puis une fois qu'elles ont accouché, elles vont aller dans un autre bâtiment, où là, elles vont recevoir une ration. Donc, et puis, elles sont logées plutôt donc dans des logettes. Alors, si c'est bien fait, c'est pas un souci majeur pour les animaux. Voilà. Et puis donc la deuxième chose qu'on fait, on va commencer par les observations. Donc nous, on a des sens, le Seigneur nous a donné un nez, des yeux, des oreilles, voilà, une cervelle soi-disant pour réfléchir et analyser les choses. Alors première chose qu'on regarde, c'est l'état corporel. Est-ce que c'est en bon état, maigre ou gras? Alors ça, c'est gras comme un loukoum, hein. Voilà. Le rumen n'est pas trop rempli, donc ça veut dire que le rumen ne marche pas trop bien. Donc celle-là, je pense qu'elle ne digère pas dans sa panse, elle digère à l'échappement. La panse est un peu dure, c'est dur qu'il n'y a peut-être pas assez d'eau. Il y a de la déstructuration squelettique sur l'animal, il y a des plaies cutanées, donc ça c'est embêtant. Pourtant, le matelas est bon, on ne comprend pas pourquoi c'est comme ça. Et puis sur la mamelle, il n'y a rien à signaler, tout va bien. Donc plutôt un peu gras comme le perradigue. Voilà, alors si on regarde d'un peu plus près, bon, on voit les bouses. Quand on regarde avec le pied, on voit que ça ne digère pas trop bien. Puis on voit que les aplombs, là, ce n'est pas des top biches, hein. Normalement, top biche, c'est comme ça. Hein. Donc là, c'est pas top biche, ça, c'est R8 Gordini. Voilà, les panses pas trop remplies, un peu grasses, d'accord. Bon, il y a des petits dysfonctionnements. Alors après, on va voir les vaches. Les vaches en lactation, bah, c'est gras au début, puis ça maigrit fort. Alors vous, ça vous dit pas grand-chose, mais ça, c'est des vaches qui, à peu près en un mois, perdent 150 kilos. Rapporté à vous, c'est comme si je vous faisais perdre 40 kilos en un mois. Vous verriez, vous seriez très bien. Voilà, alors les rumens sont toujours un peu durs, il n'y a peut-être pas assez d'eau. Ici, les bouses, c'est un peu hétérogène, il y a du liquide, il y a du dur, il y a du mou. Alors, il y a des lésions cutanées qui s'aggravent pendant la lactation, l'état podal s'aggrave pendant la lactation, et puis un petit peu d'œdème mammaire, mais ça, c'est normal. Mon épouse, quand elle a accouché, elle avait aussi des seins un peu durs. Bon, alors, on regarde nos vaches. Alors, on voit des vaches qui ne sont pas capables de garder leur tétine fermée. Donc ça, souvent pour nous, c'est un signe qu'au niveau minéral, ça ne va pas. Les aplombs dégradés, c'est souvent un signe qu'au niveau minéral, ça ne va pas. Le bâtiment, c'est plutôt assez agréable. Hein. Donc ça respire bien, le confort est plutôt bon. Hein. On fait le test de tomber au genou. Donc c'est-à-dire que pour s'assurer que le confort est bon, on se laisse tomber sur les logettes. Si on se fracture les deux rotules, c'est que le confort n'est pas là. Alors, comme je ne me suis pas fracturé les rotules, c'est que le confort est bon. Hein. Voilà. Alors, au niveau abreuvement, nous, on regarde toujours, est-ce qu'il y a de la place au bar? Oui, il y a de la place au bar. Il y a de l'eau de puits, il y a tout ça. Il y a du dégagement. Donc là, ça ne se bouscule pas. Donc, normalement, ça doit être hydraté. Il n'y a pas de problème. Alors après, on regarde à l'échappement. Comment ça se passe? Alors, l'échappement, bon, c'est un peu mou. Quand on le passe dans le tamis, ben, c'est pas trop digéré. Alors, nous, on a deux tamis. Ça, c'est le reflet du fonctionnement de la panse, puisqu'elle est censée fonctionner dans sa panse et filtrer dans sa panse. Elle n'est pas censée faire comme le chien, le cochon et l'homme. Je n'ai pas dit que l'homme était un cochon, j'ai dit qu'il digérait comme un cochon. Donc, elle n'est pas censée digérer dans son intestin. Alors là, on voit que, ben, on a vraiment un problème de maldigestion. Donc, ça veut dire qu'il y a certainement un problème de fonctionnement sur ces animaux. Ils ne digèrent pas au bon endroit. Voilà. Alors après, notre premier critère, nous, pour l'eau, je vous ai dit tout à l'heure, l'eau, qu'elle soit à gauche, à droite, en haut, en bas, on s'en fout, c'est hydratée ou pas hydratée. Donc, si vous voulez savoir si vous êtes hydraté, il y a un truc qui est très simple. Vous achetez un réfractomètre, ça coûte 35 euros. Vous en achèterez un pour votre vie. Voilà, le mien, il doit avoir pas loin de 30 ans. Et puis, vous mesurez votre densité urinaire. Donc, le rein, lui, c'est lui qui doit faire les niveaux.
Si vous êtes déshydraté, l'information donnée au rein ne va pas sortir l'eau. Donc le pipi se concentre et il pue. Donc c'est la densité. Voilà, donc ça, on voit que les animaux sont déshydratés. Et puis on mesure une deuxième chose, c'est un glucomètre, hein, comme pour les diabétiques. Et puis on voit que ces vaches, bien qu'elles mangent beaucoup d'énergie, elles sont en état d'hypoglycémie. Et finalement, c'est un signe que énergétiquement, ça marche pas. Alors ça, c'est quand même un paradoxe. On leur donne de l'énergie autant qu'un curé peut en bénir. Et puis finalement, le résultat cellulaire, c'est que les cellules ont faim. Voilà. Après, si on regarde les vaches laitières, même comédie, déshydratées à mourir et en état d'hypoglycémie, d'anémie. Donc, bien qu'on leur donne beaucoup d'énergie. Donc, je dis, il y a quand même un truc qui ne va pas dans cette histoire. Alors, on passe à la case bioélectronimètre. Voilà, donc là, on va aller un petit peu plus loin. Ça, c'est les pipis des vaches. Alors, normalement, la référence, chez moi en Alsace, c'est du Riesling, du Sylvaner et de l'Edelsweisser. D'accord ? Même la vendange tardive, même le muscat, on n'y est pas. Là, on va taper dans l'Armagnac et le Cognac, mais ça ne sent pas pareil. Alors, on commence par l'eau. Alors ça va, c'est une petite ferme, hein. Donc on n'a pas eu trop d'abreuvoirs à mesurer, hein, ça va. Hein. Alors, les caractéristiques pH et RH2, j'ai rien à dire, c'est dans le vert. Alors bien sûr qu'elle est un peu conductrice, pas trop de résistivité, elle est chargée en minéraux. Ok, c'est comme ça, est-ce que c'est comme chez les hommes? Est-ce qu'il y a des pollutions électriques? Non, pas trop, ça a l'air d'aller, elle est dure, bon, ok, elle est dure. Voilà l'installation de distribution. Voilà, ça c'est pour les vaches. Alors ça c'est un petit prout-prout, hein. Donc ça va être un peu compliqué de les abreuver là-dessus. Et puis là par contre, je ne peux pas comprendre pourquoi ces vaches ne s'hydratent pas. Alors après, on va regarder ce qu'elles mangent. Alors on mesure avec le bioélectronimètre donc les nutriments. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le pH. Alors là déjà, premièrement, ben on a un enrubanage qui est mal conservé. C'est des fourrages qui devraient être réduits. Ça normalement, ça devrait être étanche à l'air. Ça ne l'est pas. Ah, si on n'enlève pas l'air dans un silo, c'est la fête au village pour les levures et les champignons. Voilà, donc la résistivité, ben, surtout sur l'ensilage de maïs, elle n'est pas bonne. Donc là, on peut déjà suspecter que ce tas de maïs, il a un problème de conservation. Voilà, au niveau minéral, bon, on voit tout de suite ici que la ration, il n'y a certainement pas son compte dedans. Voilà, donc ça, c'est nos observations sur le fourrage. Et après, on va mesurer les animaux. Alors, je ne vais pas vous commenter tous les résultats parce qu'on va y passer du temps. Je vous donnerai la vision dynamique. Donc, nous, ce qui nous importe, c'est de mesurer le rumen, l'échappement caca, pipi, le lait, le sang. On prend 3, 4, 5 vaches. On essaie de regarder la cohérence, c'est-à-dire que tous les paramètres évoluent toujours dans le même sens. Et puis après, de voir comment on peut faire ces interprétations. Alors, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Non, j'avance encore. Voilà. Alors, est-ce que ça va se déclencher? Voilà. Alors, nous, on regarde au microscope. Nous sommes des observateurs. Vous avez ici ce qui se passe dans la panse des vaches. Alors, ça se regarde comme du sperme. Vous avez jamais regardé du sperme? Non, jamais? Alors, en fait, c'est une densité et c'est une vélocité. Voilà. Donc, normalement, on devrait en avoir 4 fois plus. Et ça devrait faire du karting. Alors ça, c'est des kartings qui sont un peu époumonés, mais bon, on voit donc, on voit ici des gros protozoaires, on en voit des plus petits là au fond, on en voit des moyens. Bon, ça c'est une flore qu'on va qualifier de moyenne. Voilà. Donc ça c'est une première observation. Et puis après on verra pour les paramètres bioélectroniques la moyenne des vaches. Alors après, bien sûr, on prend le pH, enfin les caractéristiques du sang et des urines. Voilà. Et puis ensuite, on va faire pareil sur les vaches laitières. Voilà, donc là, les caractéristiques. Et puis, voilà à quoi ressemble ce qui se passe dans les vaches laitières. C'est à peu près du même acabit que tout à l'heure. Ça pourrait être mieux. On a connu pire. Hein. Puis après, on va mesurer donc. Alors, vous voyez que nous, en général, quand on mesure 6, 7, 8 vaches. Donc, c'est long. Hein. Un bilan bioélectronimique de troupeau, tu y penses la journée. Hein. Voilà, parce qu'il faut faire la moyenne de toutes ces vaches, et puis il y a tous ces paramètres à mesurer. Ça, c'est le lait de tank. Alors, plus simple pour vous, c'est la vision dynamique. Pour nous, mesurer des secteurs indépendamment les uns des autres, ça n'a strictement aucun intérêt. Donc, on met ça sur un diagramme, et c'est ça qu'on va commenter à l'agriculteur. Donc, on est d'accord qu'on mesure, hein. C'est pas dans une boule de cristal, hein. Donc, on lui dit, les caractéristiques de l'eau, c'est pas trop mal. Bon, elle est un peu dure, mais sur le fond, c'est pas gênant. C'est pas ça qui est problématique.
Les fourrages, il y a du maïs beaucoup, 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 et puis il y a un peu d'herbe. Alors l'herbe, problème de conservation. Ça, tu es sûr et certain, c'est pas acide, c'est oxydé. Il n'a pas mis les bonnes bâches, il n'a pas mis les conservateurs, il n'a pas serré comme il faut. Donc là-dedans, je peux suspecter que j'ai des problèmes de moisissure, de levure, de champignons. Et si c'est le rumen qui fait le travail, ça peut passer. Si c'est l'intestin, ça ne passera pas, ça cassera. Et puis l'ensilage de maïs, pareil, bon, un bon pH, il s'est bien acidifié, il y a tellement d'amidon et de sucre que c'est possible. Par contre, mauvaise conservation. Bon, qu'est-ce qui se passe à l'échappement? À l'échappement, ça ne digère pas. Ça ne digère pas dans la panse. Ça digère dans l'intestin. Les vaches ne sont pas faites pour ça. Elles sont faites pour digérer dans le rumen des fibres, du sel et de l'eau. Elles ne sont pas faites pour aller digérer dans l'intestin, qui leur crée de la porosité, de l'inflammation, des plaies, des maladies diverses et variées. D'accord? Donc ça ne va pas. Alors, conséquence sur l'urine. Ah ben l'urine, c'est tout rouge. C'est l'image de vache en état de déshydratation chronique, avec un rein qui n'en peut plus d'essayer d'évacuer tout ce qu'on a fait digérer dans le boyau. Et puis au niveau du sang, bah le sang, bah lui aussi, n'en peut plus. Et donc on a une élévation très importante du pH, une oxydation, et qui va sursolliciter le système pulmonaire, sursolliciter le système rénal, et puis quelque part, donc contribuer à l'état de déshydratation chronique. Alors j'ai de la bonne eau, j'ai des abreuvoirs, mais le résultat final, c'est déshydratation. C'est quoi ce beans? Donc, il y a un problème. Et le lait, ah, lui, c'est bizarre, il a l'image du sang et des urines, il est plutôt très alcalin, il est normal, enfin, peut-être un peu réduit, lui, et puis surtout, il a une résistivité très basse, c'est-à-dire que la mamelle est au frein de sortir de l'eau. La vache, et puis surtout, ici, la chaudière, ça ne marche pas. La chaudière, normalement, c'est quelque chose qui doit être acide et très réduit, et puis quelque part, le redox, il doit être à moins 200, moins 250, il n'est pas assez négatif, c'est-à-dire que là, récupération d'hydrogène et d'électrons, elle est à la peine, bien que j'ai l'énergie à crever de partout. Le résultat final, c'est que ça produit plutôt moins de lait que plus. C'est-à-dire que concrètement, si vous calculez la ration, il y a pour faire 35 litres de lait par jour, il y a 22 litres au tank. Où sont passés les 13 litres de lait? Donc ça, c'est anti-économique et c'est surtout pas génial pour les animaux. Alors après, on passe à la case nutritionniste. C'est-à-dire, c'est qu'on a des logiciels qui nous permettent d'évaluer les rations des vaches en préparation au bêlage, vous voyez. Donc là, on est McDo, hein. Trop d'énergie, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amidon et pas assez de protéines et le calcium qui n'est pas à niveau. Voilà, si je regarde la ration des vaches, c'est encore pire, pas assez de protéines, trop d'énergie, trop d'amidon, donc aussi de la malbouffe. Mais on a vu qu'elles étaient grasses, hein. Et le juge de paix, pour savoir si mon bioélectronimètre était juste, ça va être l'analyse de la ration au laboratoire, qui nous confirme bien que cette ration, elle est à 9 de protéines pour faire du lait, il faut à 16, donc il en manque un bout. Et puis que normalement, en amidon, je vais chercher ici, on devrait normalement être à ce niveau de protéines à peine 15% d'amidon, on est à 22. Donc, OK, le bioélectromètre a dit juste. Et quelque part, le bioélectromètre nous a dit que les animaux avaient une tendance à la déshydratation et quelque part à la perte d'orzion. Oui, ben. Non seulement ils en perdent, mais en plus ils n'en rentrent pas. Alors, c'est pas le principe de Lavoisier les vaches. Ce qui ne rentre pas par la gueule, si ça sort au trou du cul, il faut que ça vienne de quelque part. Donc, ce sera pris sur la masse musculaire, sur la masse osseuse, et on va aller à la déstructuration des animaux. Alors, ça, après, c'est mon travail. Le travail de 5 évêques, c'est de recréer les grands équilibres. Alors, nous, on fait de la cuisine attentionnée pour ruminants depuis 1997. Voilà, donc on reconstruit les rations, on met beaucoup, beaucoup moins d'ensilage de maïs et on remet d'autres choses pour réajuster. Alors on met des sucres, parce que les vaches ont besoin de sucre, pas vous. Voilà, on remet les minéraux à niveau, on va remettre l'eau, on n'y a pas à y toucher. L'eau, quelque part, ça fonctionne. Il y a juste à arrêter de faire le bordel dans le tube digestif. Voilà, puis ça, c'est la construction des rations des vaches laitières. On a remis la protéine à niveau, on a remodéré les quantités d'amidon, ajusté les quantités donc de minéraux, et puis normalement, ça doit faire son boulot. Alors, finalement, sur ce cas-là, qu'est-ce que la bioélectronique nous a permis de comprendre? Parce que c'est quand même ça la finalité. Nous, à l'école, on nous disait, quand on met trop d'amidon, il y a de l'acidose dans le tube digestif et il y a de l'acidité partout. OK, moi je suis très discipliné. Acidose digestive, acidité partout, crac, crac. Qu'est-ce qu'on fait? On met des tampons. Ben oui, il y a de l'acidité, il faut mettre des tampons.
Alors, est-ce que ça marche? Alors, finalement, qu'est-ce que nous a appris la bioélectronique? Elle nous a appris quelque chose, et ça, je remercierai jusqu'à la fin de mes jours Olivier Husson de sa vue, de dire que c'est la plante qui équilibre le sol, la plante s'évertue à équilibrer le sol. Plus on fout le bordel dans le sol, plus ça coûte cher à la plante d'équilibrer le sol, plus elle en tombe malade et parfois elle en meurt. Alors je me suis dit, tiens, c'est bizarre, c'est peut-être pareil chez les vaches. Je me suis dit, peut-être que finalement, le tube digestif, théoriquement, on est censé faire un équilibre sucre-azote, un équilibre C sur N, comme dans le sol. Normalement, on n'est pas censé lui donner de l'amidon. Elle est censée manger, comme les vaches de mon grand-père, des limbes, des feuilles, des fibres, du sel et de l'eau, pas de l'amidon. Ça, normalement, c'est pour les canards à engraisser. Et bien sûr qu'on doit équilibrer la part d'azote. Alors, dans ce cas-là, on est d'accord qu'on est sur un système avec énormément de maïs, déficitaire en protéines, déficitaire en minéraux, donc énormément d'amidon. Qu'est-ce qui va se passer? Le corps de la vache va se mettre au service du système digestif pour aller rééquilibrer le bordel qu'on a créé. Et ce n'est pas le contraire. Donc finalement, on se rend compte que, bon, déjà, il faut de l'eau pour faire digérer la matière organique. Un rumen, ça fonctionne strictement comme un sol. La seule différence, c'est que c'est anaérobie. Mais il y a trois phases, solide, liquide et aérique. Que, quelque part, ce système-là a assez peu d'impact sur le rumen. Le rumen est intelligent. Il dit, toi, mon gamin, tu sais pas me nourrir, c'est pas un problème, chasse d'eau. Hop, à l'échappement. Terminé. Donc, comme ça, tu manges 5-6 kilos de matière sèche de plus par jour pour pas faire de lait. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? L'impact va être extrêmement important dans l'intestin. Mais l'intestin des vaches, hein, c'est pas l'intestin des hommes, hein, ça c'est les vaches. Hein. Voilà. Et la conséquence, ça va être une déshydratation. Nous, notre constat, puisqu'on mesure les quantités d'obus, la vache, quand elle se met dans cette situation-là, elle augmente la quantité d'eau qui arrive dans son tube digestif, elle a la chiasse, c'est une chiasse d'eau, le rumen se vide, et quelque part, elle se déshydrate, elle ne boit pas pour autant, elle boit moins. Alors tu peux lui mettre tous les barres et tous les systèmes vortex, ça ne change rien. Elle ne boit pas, tant qu'il y a le bordel dans son tube digestif. Alors, cette situation va conduire à la déshydratation, à l'hypovolémie. Le corps de la vache va se mettre au service du bordel qu'on a créé, nous, les humains, personne d'autre, c'est nous, les humains, qui avons créé le bordel. Sur le plan acido-basique, je crée une acidose digestive, je mets toute la nourriture à l'échappement, je crée de la porosité intestinale, je crée de l'inflammation, donc j'ai des plaies cutanées, donc j'ai des maladies, j'ai des problèmes d'infection mammaire, infection pulmonaire, infection rénale, infection hépatique, mais c'est pas grave, il y a des bons draineurs hépato-rénaux. Et puis, qu'est-ce que fait la vache? Elle met en place une alcalose sanguine, urinaire et lactée réactionnelle. Plus vous créez d'acidité digestive, plus elle va se mettre en alcalose sanguine, urinaire et lactée. C'est le paradoxe, mais c'est comme ça. Mais c'est une loi d'équilibre. Olivier l'a bien dit, la plante va s'évertuer à régler le milieu qui est sous ses pattes. Ben, la vache, elle va s'évertuer à régler son milieu intérieur. Des conséquences, si vous les mettez comme ça, il va falloir sortir les acides. Alors elle se met en hyperventilation. C'est plus une vache, c'est une forge. À force de sortir des acides, elle se met en alcalose sanguine. Elle se met en suroxydation puisqu'elle hyperventile. Elle épuise tout son stock d'antioxydants. Elle s'anémie à mourir. Le globule rouge, il n'en peut plus. Et elle se met en état d'inflammation. Si on veut régler ce système, on se remet à l'équilibre énergie-protéine ici. Et on baisse la quantité d'amidon. Et surtout, on arrête de la faire digérer à l'échappement. Donc, j'ai eu, avec le bioélectronimètre, la réponse à ma question d'enfant. Qu'est-ce qui s'est passé quand les vaches de papy sont passées des betteraves de l'herbe au maïs du tonton? Bah ça. Mais j'ai eu la réponse 45 ans plus tard. Trop tard. Le cheptel est foutu. Alors, dans les systèmes maïs excédentaires en énergie, je ne suis pas contre le maïs, je suis contre l'excès d'œufs. Je n'ai pas dit qu'on n'en donne pas, je suis contre l'excès d'œufs. C'est bon de manger du foie gras, mais il ne faut pas manger que ça. Voilà, donc une ration excédentaire en maïs, excédentaire en énergie, déficitaire en protéines, en minéraux, avec des fourrages ensilés oxydés, c'est un choix, c'est pas grave, c'est comme ça. Créer une acidité digestive avec maldigestion, une alcalose sanguine urinaire lactée réactionnelle, une oxydation cellulaire, une déshydratation tissulaire chronique avec hyperhydratation intestinale, elle chie plutôt plus mou que plus dur, une inflammation, une porosité intestinale, une dégénérescence
musculosquelettique et des plaies cutanées, parce qu'il faut bien trouver des minéraux quelque part. Si ça ne rentre pas dedans, il va falloir les prendre sur la matrice osseuse et musculaire. Et concrètement, la durée de vie est limitée. Alors, dans ces systèmes intensifs, aujourd'hui en France, ce n'est pas un jugement, c'est un constat, les vaches, il faut 2 ans pour les élever, pour les arriver à leur premier accouchement, elles font une lactation et demie. 8-2. C'est-à-dire qu'on tue des vaches qui ont 4 ans, 4 fois 7, 28, on tue des adolescents. On ne les laisse pas mourir. On va dire qu'on les réforme avant qu'il leur arrive une bricole. Mais dans l'intervalle, il y en a quand même quelques-unes qui sont malades. Voilà. Alors, ensuite, deuxième cas de figure. Nous allons aller complètement à l'opposé. J'étais en Mayenne, en Normandie. On prend sa voiture, on traverse la France et on va dans mon pays originel, qui est le Comté. Alors, vous avez ici donc, un troupeau qui est en système bio. Alors, il est bio sur ses sols, il n'est pas bio sur ses vaches. Aucun intérêt en compter. Donc, les vaches sont à la tâche, terrain bio, mais pas les vaches, système foin gain séché en grange, un aliment assez riche en protéines en hiver sans minéral, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, problème de sous-production de boiterie d'infertilité, de troubles de croissance, l'eau est prélevée dans la rivière qui passe au pied de la ferme, c'est là, et un projet de bâtiment pour que les vaches ne soient plus à la tâche. Voilà, alors quand on fait le tour des parcelles, avec Chantal qui est ici, ma collègue spécialiste des prairies, bon, plutôt quelqu'un qui essaye de travailler bien, le résultat n'est pas toujours heureux, un peu de mercurial, là c'est un petit peu toxique pour les vaches, il ne faut pas qu'elles le mangent, et puis là c'est la même comédie, pareil, on prend les fourrages. Alors là, on est sur du foin, et le foin, donc normalement, quand on les mesure, c'est 6,4-6,6, qu'il soit sec, qu'il soit humide, qu'il soit comme vous voulez, ah, il est un peu acide, il est oxydé, tiens, ça c'est quand même embêtant. Surtout que c'est un séchage en grange. Le concentré qu'on leur donne, parce que quand il n'y a pas assez de valeur alimentaire dans les foins, ben on va leur donner un peu d'abidon. Donc on va leur donner un petit peu de maïs, un petit peu d'orge sec, là, en grain. Et là, on a aussi un produit qui est acide, mais pas oxydé. Alors on a testé l'eau. Là, vous avez l'eau qui sort de l'Ain. Et vous avez l'eau de l'Ain qui est passée par le château d'eau du village. Alors vous voyez que c'est la même nature d'eau. Mais par contre, il s'est passé une bricole, là, au château d'eau. Je ne sais pas, mon constat simplement que c'est bien la même eau. Par contre, il y a eu un traitement donc, d'alcanisation, d'oxydation au château d'eau. Ça tombe bien, les vaches ne veulent pas la boire. Bon, alors pareil, on mesure les vaches, le sang, l'urine, et là, je vais vous faire le bilan après, on voit que c'est totalement l'inverse de tout à l'heure. À savoir que dans ce système-là, j'ai plutôt une acidité sanguine avec une réduction, et pareil, quelque part, au niveau urinaire. Et j'ai quand même une déshydratation, même avec l'eau de l'Ain. Voilà. Et puis, si je regarde mon lait, pareil, j'ai une alcalinité réactionnelle, et puis, quelque part, je n'ai pas assez d'eau qui rentre dans ce lait, donc la mamelle est au frein de la sortie d'eau. Alors là, on analyse des fourrages. J'ai des fourrages acide-oxydés, pour moi, risque champignons mycotoxines. Bon, et puis, risque d'avoir des fourrages qui n'ont pas les valeurs minérales, tout en sachant qu'on a des boiteries, que il n'y a pas de distribution de minéral, donc c'est normal que ça puisse boiter. Alors, on envoie les fourrages à l'analyse. Et qu'est-ce qui ressort de cette analyse? Je vous rappelle que c'est des terrains bio, voilà, des fourrages pauvres en énergie, en protéines. Bon, ça, ça peut être le stade de récolte. Ça peut être récolté trop tard. Peu digestible, ça veut dire peu digestible, ça a plus de chances de digérer à l'échappement que dans le moteur. Des problèmes d'espèces et de stade de récolte et une gestion de l'épandage des fumiers qui n'est peut-être pas très heureuse à corriger. Et par contre, ce que l'on voit sur l'analyse minérale, on a des fourrages pauvres en minéraux, mais surtout ce qui est soufre, phosphore, magnésium, et surtout ce qui est très embêtant pour nous, une accumulation de métaux lourds et un dysfonctionnement des sols. Parce que si vous avez ça, c'est forcément qu'il y a un dysfonctionnement des sols, c'est pas autre chose. Alors c'est au mois de janvier. Au mois de janvier, vous imaginez bien que dans le Jura, on va pas aller faire grand-chose sur les sols, hein, à moins d'avoir un BRH. Voilà. Alors l'eau, elle est pas mauvaise. Là, on a probablement un vrai problème sur l'état de fonctionnement de l'herbe, mais si on a un problème là, vu qu'on est sur du foin du séchage en grange, à mon avis, c'est dessous que ça se passe. Alors, on n'avait pas fait les rumens ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, on avait juste fait l'échappement. Donc on voit qu'on a des conséquences quand même au niveau urinaire, bon, plus acide que ce qu'on a vu tout à l'heure, plus réduit, mais par contre, on a quand même une tendance à la déshydratation. Puis on la retrouve sur le lait, ça veut dire que les vaches sont au frein de la sortie de lait et un petit peu de problème d'inflammation mammaire avec un petit peu de problème d'infection mammaire. Et puis, par contre, au niveau du sang, on a plutôt une résistivité qui est bonne, des vaches bien hydratées. Par contre, on a, c'est sûr, une acidité sanguine et quelque part, on a ici une réduction. Donc, on est complètement à l'envers de ce qu'on a vu dans le système précédent.
Alors, qu'est-ce que la bioélectronique nous a appris ? Ben, c'est de se dire que je suis dans un régime, finalement, qui est inverse du précédent. Je suis dans un régime de type herbagé, excédentaire en protéines, bon, déficitaire en minéraux, pas forcément très riche en amidon par rapport à la situation précédente. Ça n'a pas d'impact majeur sur le tube digestif. Ça peut avoir un impact important sur l'intestin, parce que si vous mettez beaucoup, beaucoup d'azote dans un intestin, c'est une situation qui est favorable au développement de pathogènes, type colibacilles, des choses comme ça, donc avec un retentissement mammaire. Alors, mais c'est plutôt moins dangereux pour les vaches que la première situation, même si la vérité, c'est de se mettre à l'équilibre. Alors, dans cette situation, on est complètement à l'inverse de la première fois, parce que si vous avez des vaches qui mangent des excès azotés, il va bien falloir les sortir. Et tout ne pourra pas sortir par le trou du cul. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire ce qu'on appelle le cycle du riz. C'est qu'on va demander au foie, au rein, surtout au foie en premier, de convertir l'ammoniac en urée qui va être transportée par le sang, puis ensuite qui va être évacuée par voie urinaire. Concrètement, en général, quand vous avez des régimes surazotés, les vaches, elles boivent comme des trous. Pourquoi ? Pour faire le cycle de l'urée et sortir cet excès d'ammoniac. Donc en général, elles boivent beaucoup et elles ont plutôt tendance, au niveau plasmatique du moins, à bien s'hydrater. Voilà. Voire trop, de temps en temps. Sur le plan acido-basique, ça va être complètement l'inverse. C'est-à-dire que vous avez une alcalose digestive par excès d'azote, la réaction, c'est une acidose sanguine réactionnelle. C'est comme le régime Cro-Magnon. Vous mangez du régime du con, que de la viande et du poisson, vous aurez une alcalose intestinale avec une acidité sanguine réactionnelle et extrêmement importante. Alors, le seul danger de ça, c'est si vous ne buvez pas, mais là, a priori, les vaches, elles avaient de l'eau à boire, et vous n'avez pas trop de risques sur le plan oxydoréduction, vous avez vu qu'on est plutôt réduit. On est en hypoventilation et en réduction, peut-être qu'on s'oxygène peut-être pas assez, ça c'est possible, et quelque part, on épargne ces antioxydants. Donc on est globalement moins malade et on dure un peu plus longtemps. Je vais vous donner un deuxième chiffre, contrôle laitier France, contrôle laitier Suisse, contrôle laitier Forêt Noire. Les vaches qui se trouvent dans les piémonts et les montagnes, dans des systèmes comme ça, herbagés, c'est 3,5-4 lactations de moyenne, c'est-à-dire c'est 1 à 2 lactations de plus que les systèmes de plaine en régime surénergétique. Alors c'est plus maigre aussi, hein, mais ça c'est pas très grave. Voilà, donc on est retourné voir ce troupeau au mois de juillet. Alors les vaches, elles étaient au pré, hein, bien entendu, hein, depuis le mois d'avril. Alors, des vaches un peu plus maigres, mais normales dans ces systèmes-là. Donc, alors, peut-être que là, pour le coup, il n'y a pas assez d'énergie dans la ration. C'est des vaches qui mangent plutôt assez correct. Des bouses pas forcément toujours bien homogènes. Des troubles minéraux, mais parce que notre ami Alexis n'a pas corrigé ses minéraux. Une mamelle avec une peau un peu jaune pour une ou deux vaches, mais ça, c'est le cycle du riz qui fait ça. Puis toujours un aliment complémentaire sans minéral. Ils n'ont encore pas compris l'histoire. Alors, si on regarde les vaches, là, on voit bien qu'on a des animaux. Alors, ils sont beaux, il n'y a pas de souci, hein, ils sont bien droits. Les pattes, ça va à peu près. Bon, là, on voit quand même des animaux qui se lèchent beaucoup. Il y a quand même une instabilité digestive. Et puis ici, on a des yeux très globuleux qui, pour nous, correspondent souvent à un état d'hyperhydratation, d'œdème cellulaire. Et souvent, ça peut être lié aussi à des carences en vitamine A. Alors, on fait le tour de prairie avec Chantal. Et aux découvertes dans la prairie, des graminées qui sont porteuses, ce qu'on appelle d'ergostérol. Hein. C'est des graminées qui sont colonisées par des champignons au printemps, à la floraison. Et puis là, vous avez un grain donc, de régras qui est ergoté. Ça contient une toxine qui est très embêtante pour les vaches, hein, qui est l'ergostérol. Et puis, si on regarde le couvert végétal, quelque part, il y a peut-être bien trop de légumineuses par rapport à ce qu'on voudrait. Donc, trop d'azote dans la ration. Alors, on remesure les vaches. Pardon, je reviens un tout petit peu en arrière. Qu'est-ce que j'ai fait ? Hop. Je remesure mes vaches. Je retrouve toujours la même caractéristique, une acidité sanguine. Voilà. Après, je ne suis pas trop oxydé, là, je suis bien comme il faut. Bon, une légère déshydratation sur les animaux, avec une hyperconcentration minérale, mais ce n'est pas parce qu'elles ont des minéraux, hein. C'est la simple hémoconcentration qui veut ça. Au niveau urinaire, bon, je suis correct, hein, je n'ai pas de soucis particuliers. J'élimine des minéraux que je n'ai pas. Mais ça, c'est pour faire ma régulation par rapport à l'eau. Et puis, j'ai une densité urinaire qui est élevée. C'est bien des animaux qui sont en état de déshydratation. Probablement que le problème de ces vaches, on a des résistivités sanguines sur certaines vaches qui sont correctes, d'autres pas. Peut-être qu'elles ne boivent pas toutes correctement. Et nous utilisons un autre appareil, qui est un appareil qu'on a co-développé sur les animaux avec Bioparom. C'est un appareil qui s'appelle un impédance-mètre. À l'origine, c'est un appareil qui a été fait pour évaluer les sportifs de très haut niveau,
pour évaluer l'état d'hydratation, la fluidité des membranes, le travail du rein. Donc c'est pour les sportifs de haut niveau, mais moi je gère des sportifs de haut niveau. Hein. C'est des vaches qui sont censées faire beaucoup de lait. Elles vous donnent la masse maigre, la masse grasse, la qualité de la matrice osseuse, elles vous donnent l'état d'hydratation. Alors là, c'est peut-être petit pour vous, mais on voit qu'ici l'état de la matrice osseuse n'est pas correct. Par contre, au niveau hydratation, c'est tout à fait satisfaisant. Donc je vous l'ai fait un petit peu plus gros. Alors ça, c'est un bilan qui prend à peu près... Allez, 5 secondes de mesure pour un patient. Donc c'est à usage humain. Nous, on l'a adapté sur les chevaux et les animaux. Pour les humains, on met des électrodes ici sur l'avant-bras, sur la jambe. En 5 secondes, on a l'information du patient. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est dommage, c'est une bonne technologie française, pas utilisée en France. Voilà. Donc là, les vaches, comme elles ont un gros réservoir gastrique rempli d'eau, on a toujours énormément d'eau dans les vaches. C'est pour ça qu'elles savent faire des dromadaires. Hein. Et puis là, vous avez la vision de l'eau extracellulaire et la vision de l'eau intracellulaire. Donc là, dans des vaches qui sont au pâturage, on n'a pas de souci sur l'hydratation. Alors, comme on avait une suspicion par rapport à ces mycotoxines de champ, donc on a fait un bilan à l'école Veto de Lyon qui nous a bien redonné ici des paramètres qui nous renseignent sur la toxicité hépatique donc de ces espèces prairiales contaminées. Voilà. Alors après, on a fait un petit bilan du sol. Alors, je m'excuse, Olivier. À l'époque, nous n'avons pas été en formation avec toi. On a fait ce que tu nous avais proposé, une dilution à 1:5. Mais on a quand même essayé de faire un tour de prairie pour voir ce qui pouvait se passer. Alors, on a fait des bons élèves. Hein. On a mesuré la superficie, la profondeur, le pH. Puis on voit que quelque part, on est au mois de juillet, on n'avait pas une grosse hydratation des sols, donc on a fait notre dilution. On a quand même une tendance à l'alcalinité et quelque part à l'oxydation. Et quelque part, sur des plantes qui, elles, plutôt ont le contraire, enfin, qui sont plutôt acides et oxydées et polluées de mycotoxines. Voilà. Alors, je suis pas sûr que les mesures de sol soient parfaites, mais on a essayé de faire bien. Donc, les sols, a priori, ça ne fonctionne pas très bien. Les animaux, au niveau digestif, ben, on voit que ça marche de façon à peu près correcte. Au niveau sanguin, ça marche plutôt pas mal au champ. On a peut-être juste à régler ce problème d'hydratation, mais le reste, c'est plutôt correct. Alors, on a donné un plan de route à l'éleveur. On y est retourné au mois d'août. Donc, j'ai corrigé ses rations. Je lui ai demandé de silicer ses prairies. Je lui ai demandé de revoir sa répartition de sa matière organique. On a demandé, insisté à ce qu'il minéralise correctement les animaux. Puis bien sûr, qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé un aliment plus riche en énergie et un peu moins riche en protéines. Et puis surtout, ce qu'on lui a demandé, mets de la place au bar, mon bon Alexis. Alors il a mis de la place au bar. Voilà. Puis vous voyez les vaches au mois d'août. Elles ont pris un poil brillant. Alors peut-être qu'ici, ça pourrait être plus rempli. Au niveau des pattes, c'est plutôt un peu mieux. Voilà. Donc on a des animaux qui vont plutôt vers le mieux. Voilà. On les voit de plus près. Alors, elles sont pas écordées, hein, ces vaches-là, hein, c'est un éleveur bio. Voilà, on a retrouvé un mufle bien rose, le blanc est blanc, le rouge est rouge, c'est pas le rouge qui est orange et le blanc qui est jaune. Hein. Voilà, et puis donc, il a resserré un peu l'étau sur sa gestion de son pâturage, on va pas s'étendre là-dessus, et la composition botanique est redevenue à peu près correcte, sauf dans certaines parcelles où les vaches, elles ont bien raison de recracher cette putain d'herbe qui est dégueulasse. Donc ça, c'est de l'agrocystolonifère, c'est inflammatoire. En général, c'est ce qu'on sème sur les friches industrielles en Lorraine pour capter les hydrocarbures et les métaux lourds. Donc, en général, c'est là-dedans qu'on va les retrouver. Voilà. Et puis, donc, on a refait un bilan d'hydratation. Alors là, j'avais encore une autre porte à enfoncer. Parce que nous, on nous a toujours appris à l'école, une vache qui est traite, elle fait 30 litres de lait à sa traite, elle se déshydrate à mourir pendant la traite. Alors, je me suis dit, bah, tiens, c'est l'occasion, je vais mesurer l'hydratation des vaches avant et juste après la traite. Qu'est-ce qu'on voit? Le niveau d'eau, il ne descend pas d'un iota. Ça veut dire que des vaches bien hydratées, je vous garantis que pour les déshydrater, il faut s'y employer. Hein. Alors, j'ai eu la réponse à ma question de gamin, grâce à la bioélectronique. Puisque j'ai connu la transformation heureuse des fermes en comté en 73, d'un système foin séché au sol en séchage en grange, des pâtures, des vaches sur air paillé en système fumé avec une bonne santé, des bonnes fontaines. Dans les systèmes foin, excédentaires en protéines et déficitaires en énergie en minéraux, alors ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas mettre l'énergie et les minéraux à niveau, mais si, c'est comme ça. J'ai une alcalose digestive qui n'est pas dangereuse pour l'animal. J'ai une acidose sanguine urinaire lactée qui est réactionnelle, c'est-à-dire qu'elles sont dans un régime hyperprotéique de l'humain cro-magnon, qui mange la viande et du poisson et pas de légumes. Donc c'est plutôt moins dangereux que le premier système où la vache est végétalienne, végétarien, et qu'elle ne mange que des végétaux et que de l'énergie, que des sucres et que de l'abidon, finalement. Et par contre, ça nécessite des tampons. Si on met des minéraux, ce n'est pas un problème. Si vous ne les mettez pas, ça peut devenir un problème. Les minéraux, si on ne les a pas dans les fourrages, c'est que les sols, c'est cafouche.
Donc il faut s'occuper des sols de manière à ce que les minéraux soient à niveau. Donc on a une très bonne longévité des animaux, peu de pathologies, sauf s'il y a une gestion irrationnelle des sols, même en bio, parce que finalement, chez un bio qui ne gère pas ses sols correctement, vous pouvez avoir une toxicité aux métaux lourds dans les fourrages qui peut être assez substantielle et dangereuse pour les animaux. Donc c'est pas parce qu'on est bio qu'on a l'abri de ça. Il a beau être bio, il faut qu'il fasse une gestion de ses effluents et de ses sols. Voilà, si on doit conclure, finalement pour nous, on fait un équilibre énergie-protéine. Quelque part, la bioélectronique nous renseigne sur cet équilibre ou ce déséquilibre. C'est validé par tout ce qu'on peut mesurer par d'autres méthodes. Quelque part, l'animal, son corps est au service du désordre qu'on a créé dans le tube digestif. Si je crée de l'acidité ou je crée de l'alcalinité, je vais demander au foie, au rein, au poumon d'organiser la réaction. Je mets de l'alcalose ici, j'ai de l'acidose ici, je mets de l'acidose ici, j'ai de l'alcalose ici. L'alcalose se traduit par la déshydratation, l'alcalose par excès de protéines se traduit par une acidité et une hyperhydratation, et dans les deux cas, de toute façon, ça coûtera des minéraux. Des minéraux pour faire la régulation. Donc ça, il faut être donc à niveau. Les antioxydants, pour nous, c'est surtout un problème lorsqu'on a un excès d'énergie, une suroxydation des animaux. Ça peut être le cas aussi lorsqu'on accumule des métaux lourds, du fer et de l'aluminium dans les fourrages. Voilà, et quelque part, s'inquiéter quand même des antioxydants. Donc, j'ai travaillé beaucoup sur les oligos avec des partenaires, mais aujourd'hui, mon sentiment, c'est qu'il faut régler ça ici pour ne pas vider le compte en banque. Alors, on fait d'autres choses. Donc, chez Naturethic, on recolonise les déserts, on applique ces méthodes donc dans les déserts. Voilà comment c'était avant, voilà comment c'est 7 ans plus tard, avec de l'eau, de la silice et quelque part pas d'engrais et quelque part pas de phytosanitaire. On travaille juste sur la vie du sol. Et puis, on mesure le qualitatif des produits. Vous avez ici les oranges et les mandarines qu'on a récoltées cette année. Ça, c'est la lagune d'eau, une machine de traitement d'eau. La superoxyde dismutase, c'est certainement le meilleur anticancéreux végétal qui existe sur Terre. Donc nous, on a utilisé ça depuis 25 ans sur les animaux, extrait du melon, donc en Charente, la sode. Et on voit quoi? C'est que les conventionnels arrosés 28 fois. Donc ici, voilà leur teneur en sode. Regardez les non-conventionnels qui sont faits avec de l'acacia, du BRF, l'aspersion, avec de l'eau donc trafiquée, enfin travaillée, et puis de la silice. Et bien finalement, on a des taux, quelque part, d'antioxydants extrêmement élevés. Donc, et ça qui ont des vertus protectrices sur les humains extrêmement importantes. Et puis, pardon ? Non, pas du tout. Alors, c'est tout à fait différent. Voilà. Puis si on regarde sur la vitamine C, donc normalement c'est un antioxydant. On est d'accord là-dessus ? On voit que les conventionnels hypertraités sur la peau ont des niveaux de vitamine C très élevés. Finalement, des oranges en bonne santé, parce que le sol est en bonne santé, elles ont plus de vitamine C dans la pulpe, mais quelque part, très peu dans la peau. Mais ça, c'est des oranges, vous pouvez les garder pendant 4-5 semaines, elles ne pourriront jamais. C'est le principe de la sode de melon, c'est des melons qui ne pourrissent jamais. Enfin, jamais, je m'entends. Il en faut 2 mois pour pourrir. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on fait d'autre? On fait de l'agroforesterie à l'étranger. Donc là, ça a été fait cette année sur un petit polonia qui a été semé le 34-2018. Travaillé avec une eau avec catholite, anolite et silice. Et vous l'avez ici le 6 septembre. Donc là, vous avez Gilles qui fait à peu près 1,70 m. Vous voyez qu'on peut activer la pousse des végétaux en travaillant sur le sol. Ça, c'est un maïs. Donc avec une machine pareille à catholite, anolite, silice, vitamine C qui a été fait en Saône-et-Loire, non irriguée cette année. D'accord ? À la récolte tout début, fin août. Vous l'avez l'ensileuse ici. C'est une petite ensileuse. Hein. Donc, et lui, il est petit. Voilà. Ce qu'on voit quand on travaille les sols, déjà on voit la croissance de la plante. Puis surtout, ce qu'on voit, c'est beaucoup plus de matière minérale et quelque part beaucoup moins d'amidon. Et ça, c'est ce que nous recherchons pour nos animaux. Voilà. Puis ça, c'est des travaux qui sont faits avec des Allemands sur des variantes sur du blé. Donc, il faut standard. Arrêter, je pense. Et voilà. Donc, sur les germinations. Et ça, c'est notre petite main qui est très précieuse. Donc, qui est donc Mylène, et qui fait des mesures toute l'année. Donc, je la remercie pour tout son travail. Alors, pour finir, parce qu'il y a une finalité à tout ça, avec les GDS, nous avons décidé, et nous, aujourd'hui, nous faisons de la formation continue pour les agriculteurs dans tous ces départements. Donc, ma voiture sillonne ça toute la semaine. C'est 1200 journées depuis 10 ans, pour leur apprendre l'intérêt de la bioélectronique dans la maîtrise de leur système. C'est la formation des vétérinaires, des ingénieurs et des techniciens. Voilà, d'où les diagnostics, ils se font à l'échelle de ça, bon, principalement la France et les pays avoisinants. Et voilà les équipes qui ont été installées, vétérinaires, agro, techniciens, en France.
Donc, pour faire de la bioélectronique, et j'ai bien dit, au quotidien, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, puisque c'est leur métier, donc, de paramétrer et de mettre à l'équilibre les systèmes. Et j'espère que le ministère nous entendra. On est en train de lui déboucher les oreilles. Voilà. Alors, je vous remercie.